Hamon and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on commence tout de suite avec Elmo Rent, qui est spécialiste de l'autopartage de voitures électriques, qui a dévoilé un concept de voiture télécommandable sur longue distance, grâce notamment à la 4G, nous dit l'article des numériques.com. Alors, le but, c'est de pouvoir fournir une flotte de voitures sans chauffeur, qui serait contrôlée à distance par de véritables conducteurs, cela grâce à des signaux électriques et l'utilisation de 6 caméras embarquées. Alors, les conducteurs seront donc à distance et disposeront d'un poste de contrôle dédié avec volant et pédale, ainsi que écran avec caméra pour prendre bien facilement les commandes du véhicule à distance. Alors, l'idée, c'est que l'utilisateur puisse commander une voiture qui lui soit directement livrée à son adresse. Grâce à cette technologie, bien sûr, il pourra ensuite en prendre les commandes s'il le souhaite. Alors, il faut savoir que Elmo compte mettre en service une vingtaine de voitures contrôlées à distance dans les rues de Tallinn en Estonie d'ici juin. Il souhaite également s'implanter d'ici la fin de l'année dans quelques pays européens, notamment en France et en Allemagne. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.